Good morning, allez, Yidan et Tisra aujourd'hui, le Nishmat Avam, Chaynor Berban, Fortuné Mazal, et Yedida Batester, si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Moura, Perikhe, Mishna Gemel. Ha Omer Vlada Shelzo Ola, ve Hishlamim, Dvarav Kayamin, Hishlamim ou Vlada Ola, Rabbi Are Zo Vlad Shlamim, Divré Rabbi Meir, Rabbi Amarbi aussi. Im lachen nitkaven mitechila oil veiyef charlikrot shne shemot keechad dvarav kayamim. Veim mishe amar arezo shlamim nimlach veamar vlada shel zo ola arezo vlad shlamim. Mishna simple qu'on va retrouver de nouveau dans la Mishna d'Alet, ce sera la même chose sous un autre cas de figure, mais c'est le même principe qui va revenir. À savoir, est-ce que Adam nitfas mitrila dvarav ou bisof dvarav? Et on explique, d'abord je commence par traduire toute la Mishnah, vous allez presque tout comprendre tout seul. Ha Omer, celui qui dit Vlada shelzo ola vehi shlamim. Il avait un animal choulin, une brebis, qui était enceinte, qui avait un fœtus dans le ventre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vlada shelzo ola, il a voulu sanctifier le Vlad. Le petit qu'elle a, le fœtus qu'elle a dans le ventre, lui-même sera Ola, tandis que la mère sera Shlamim. Il est en train de sanctifier les deux, en fait. Il a donc un animal enceinte, il sanctifie la mère et le fœtus, un pour qu'il soit Shlamim, l'autre pour qu'il soit Ola. Mais dans quel ordre? Il commence par sanctifier d'abord le fœtus et après la mère. Dvarav Kayamin. Ses paroles seront retenues, aucun problème. Lorsqu'elle mettra bas, si c'est un mâle, ce sera un Ola, si c'est une femelle, il utilisera l'argent, il le vendra pour récupérer, pour ensuite en faire un corban. Là, on verra dans la suite des Mishnayot. Indirectement, mais ce sera le même principe. D'accord? Maintenant, s'il a dit le contraire, Hishlamim ou Vlada Ola. Elle sera Shlamim et son petit sera Ola. Donc là, il a fait une bêtise, l'ami. C'est qu'il a dit qu'il va rendre la mère Shlamim. Or, s'il s'arrêtait là, eh bien... le petit sera aussi Shlamim. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté tout de suite dans la même phrase, il a dit, et Vlada Ola, bien sûr, et elle sera Shlamim, et le petit sera Ola. Le fœtus sera Ola, quand il naîtra, je l'apporterai en Korban Ola. Alors là, la Mishnah m'enseigne comme ça une marloquette. Areizo Vlad Shlamim. Dirait Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, le petit sera Shlamim, il ne sera plus Ola. Tel est l'avis de Rabbi Meir. Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi n'est pas d'accord. Et rentre dans un distinguo en disant comme ça. Im lachen mitkaven mitechila, si son intention primaire, elle était comme ça, de sanctifier réellement que la mère et pas le petit en shlamim, tandis que le petit prévoyait de le faire en korbanola. Hoil veiyev charlikrot, shneche motkeachat, puisque c'est impossible d'appeler deux noms en même temps. Un homme ne peut pas dire deux choses en même temps, tu dis un et après tu dis l'autre. Comment est-ce que tu fais si tu as deux animaux, tu veux rendre un korbanola et l'autre korban shlamim? Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de parler. Un sera Ola et l'autre Shlamim. Tu peux pas dire les mots à réseau Ola et à réseau Shlamim en même temps. C'est pas possible, c'est pas humain. Donc c'est ce qu'il nous dit Rabbi aussi. Oil ve'if char likrot shnei shemot keachat. Puisque tu ne peux pas les appeler les deux en même temps. T'as qu'une seule bouche. Dvarav kayamin. Ses paroles seront retenues, si c'était son intention. Ve'im mishe amar à réseau Shlamim. Par contre, si depuis le moment il a dit sur la mer à réseau Shlamim, nimlach, il s'est rétracté, il a changé d'avis pour ve'amar ve'vlada Ola. Il a dit, le petit, je le ferai en Ola. C'est-à-dire qu'au moment où on a dit la mère, elle sera Shlamim, il n'avait pas pensé au fœtus. Après, il a dit, la mère, je vais le faire Shlamim, il a regardé, puis directement, il a dit, et le petit, je le ferai. Mais il a changé d'avis là maintenant. Et il a dit, le petit, je vais le faire en Ola. Alors là, dans ce cas-là, Arezo, Vlad Shlamim, ce sera un Vlad Shlamim malgré lui. Et on explique un petit peu mieux. Il y a quelques petits points, en fait, à bien préciser dans la Mishnah. Tout d'abord, une halakha générale. Dans toute la Torah, à, sauf 6 exceptions. C'est le dernier Bartenor qui nous explique ça. Vous savez qu'il y a une halakha qui me dit « Torque des dibourg, qui des bourg d'amis ». Tout ce que je dis dans la même lancée, que je vais rectifier en « Torque des dibourg », pendant que je suis en train de parler, je peux rectifier les choses. Il y a une halakha, c'est même dans les halakhot de « Edout », on rencontre ça, c'est là-bas où c'est essentiellement dit. Un homme qui vient témoigner, vous savez qu'une fois que quelqu'un a témoigné sur une chose, il ne peut plus contredire ça, son témoignage. Il ne peut plus le détruire. On avait appris ça de même dans Sanhedrin. Si je suis venu condamner quelqu'un à mort, je suis venu témoigner contre quelqu'un, et je sais que je suis un faux témoin, je ne peux plus me rétracter après. Malgré moi, on va le tuer. Même si après je pleure et je jure par tous les noms que vous voulez que c'était une erreur, c'est trop tard. Ce que tu dis, tu es retenu la première fois. Mais en tout cas, tant que je suis torqué des dibourgs,
tant que je suis encore dans la même lancée, je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas laissé passer 3 secondes d'arrêt, je peux rectifier tout ce que je veux. Torque de libo. Pareil avec les lochot brachot. J'ai pris un fruit, j'ai voulu faire boré pri aetz, et je me suis mis à dire boré pri agefen. Après, je me reprends tout de suite, ah, boré pri aetz. Ça marche, je peux rectifier. Idem pour tous les oublis dans les Amida. On peut rectifier tant qu'on est torqué de libour. Passer torqué de libour, c'est fini, on ne peut plus rectifier. Là-bas, c'est même lorsqu'on s'est trompé réellement. On voulait dire une chose, et puis après, on allait dire le contraire. On a le droit de se rectifier. Il y a 6 exceptions à la règle qui sont apportées dans le Barthénora. Magdishme, Mermegadef, Beoved Avodazara, Omekadesh ou Omegaresh. On ne va pas tous les expliciter, je les traduis juste sur lorsqu'on sanctifie un animal. Mémar, c'est qu'on le substitue. Megadef, qu'on va blasphémer. D'accord? Dire quelque chose à Hachem, on peut le rectifier. Veoved Avodazara, si on fait de la Avodazara, même si après on a dit ce qu'il fallait pas dire, parce que c'est la Avodazara, puis après on torque de dit, bon, on se rétracte, c'est trop tard, on sera tué quand même. Ou Mekadesh ou Megaresh, celui qui marie une femme et celui qui divorce une femme. Succinctement, il y a pour ces 6 domaines dans la Torah, dès que tu as parlé, ce que tu as sorti de ta bouche, tu t'engages avec. Tu ne peux plus le rectifier. D'accord? Ça, c'est la base. Donc c'est pour ça d'abord que la fin, donc, du coup, on comprend la fin de la Mishnah de Rabbi Yossi qui me dit « Nimlach, lorsque tu te rétractes, tu veux changer d'avis, tu ne peux pas changer d'avis. Ce que tu as dit, c'est trop tard. » Cependant, lorsque tu as voulu dire 2 choses, que si on prenait ta première parole jusqu'au bout, alors elle ne laisserait pas la place à la deuxième. Mais depuis le début, tu as l'intention, malgré tout, de dire une suite. Alors là, c'est d'accord, comme par exemple le cas où tu as voulu sanctifier la mère Shlamim, mais tu n'avais pas l'intention de faire aussi le fœtus Shlamim. Et tu comptais bien mettre le rang de Corban au là. Si tu pouvais le dire les deux en même temps, tu l'aurais dit, seulement tu ne peux pas dire les deux en même temps. Rabbi Meir impose de... Non, Adam Nitfas Metrilat Varav. Un homme, il se fait prendre par le début de ses paroles. Donc, si tu n'as pas dit que tu sanctifies d'abord le fœtus, mais tu as dit que tu sanctifies la mère, c'est trop tard. Dès que tu as sanctifié la mère, tu as sanctifié le fœtus. Rabbi aussi vient et te dit, non, ça, sur ça, ça ne s'appelle pas que tu te rétractes ou que tu changes d'avis. Depuis le début, c'est prévu que tu vas le dire. Dans ce cas-là, on va considérer tout ce que tu as dit comme une seule grande parole. D'accord? Ça, c'est le principe de la Mishnah. Voilà pour la Mishnah. Maintenant, il y a, si vous vous rappelez des Mishnahs précédentes, il y a une certaine petite contradiction. Et c'est le Barthénora qui s'occupe de nous résoudre le problème dans le Dibor HaMatril, Vlada Shelzo Ola. Je vous explique vite fait le principe. Là, on constate que lorsque je sanctifie la mère Shlamim, le fœtus, il est malgré moi Shlamim. D'accord? Si vous vous rappelez, dans la Mishnah précédente, on apprenait que ce n'est pas comme ça. On apprenait que lorsque la mère, elle est Shlamim, je peux décider, ou elle est Khatat, ou elle est ce que vous voulez, je peux décider de rendre le fœtus autre chose. Ouais, il y a une certaine contradiction, mais aucune contradiction. C'est 2 cas de figure différents. Et retenez bien comment ça se passe. Lorsque l'animal, il est déjà Kadosh, et que la mère tombe enceinte, alors là, justement, j'ai la possibilité de prendre le fœtus et d'en faire autre chose, parce que le fœtus, il n'est pas Kadosh. Mais lorsque la mère, elle est déjà... Elle est encore rouline, mais qu'elle tombe enceinte. Donc maintenant, il y a la mère et le fœtus, et là, tu sanctifies la mère, la gdoucha que tu dis, elle va s'appliquer aussi sur le fœtus, d'accord? C'est un peu, de prime abord, c'est un peu à l'envers, c'est un peu dans ma tête. Alors, si je ne connaissais pas, si je n'avais pas vu sa Mishnayot, vous m'aurez posé la question, je vous dis, ben non, c'est plus logique que lorsqu'elle est kadosh, que le fœtus qu'il va y avoir, il va lui-même être kadosh. Tandis que si elle n'était pas kadosha, tu as sanctifié la mère, tu n'as pas sanctifié le fils. Comme ça, moi, de prime abord, j'aurais tendance à dire. Mais la Mishnah, le Barthénora explique, il rapporte la Gemara qui nous dit que c'est tout le contraire. Lorsque le principe, il est qu'en fait, d'après l'avis qui pense que Vladot Kochim, Vayatan et Kochim, qu'on expliquait à la fin de la Mishnah précédente, que le fœtus, il n'a pas de Gdoucha, il est extrinsèque de la mère. Donc il n'existait pas. Donc en fait, même si la mère est Gdoucha, et le fœtus se crée ensuite, il n'est pas encore Kadosh. Lorsqu'il naîtra, alors la mère, elle appliquera sa Gdoucha sur lui. Mais tant qu'il a été créé, c'est pas une partie intégrante de la mère, selon l'avis qui pensait que Ubar, Lavirechimo, que le fœtus n'est pas considéré comme la cuisse de la mère. D'accord? Donc là, réellement, tu as la possibilité d'esquiver la Gdoucha en le rendant Kadosh autrement. Tandis que lorsque la mère, elle est déjà enceinte, et que tu vas sanctifier la mère, alors là, il y a une anacha que tu voulais quoi? Que tu veux avoir un animal kadosh qui va être mère porteuse d'un animal choulin, c'est quoi cette histoire? C'est sûr que on va interpréter que toute ta parole, toute ta kdoucha que tu as voulu appliquer, elle s'appliquait sur tout ce que tu as devant toi, d'accord? Ça, c'était pour répondre le problème. Donc retenez, lorsque je sanctifie la mère, si elle est déjà enceinte, le petit, il est forcément kadosh. Je peux sur le moment décider qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je le rends la même kdoucha que la mère, ou une autre kdoucha
selon l'ordre que je parle, selon Rabbi Meir, Rabbi Yossi. Et toutes les missions précédentes parlaient du cas où la mère tombe enceinte ensuite. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Slacha Kol Tov.